Et c'est mythe. C'est mythe. Non. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Paranix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter des petites astuces pour devenir meilleur à Fortnite. Donc c'est les petits trucs tout con donc, que la plupart des gens font, mais qui font entre guillemets la différence. Donc on va essayer de faire quelques games, je vous garantis pas des top 1, ce serait cool d'en faire un, mais bon, si on crève dès le début, bah on crèvera dès le début, et sinon bah voilà. Donc, déjà... La première des choses, c'est de choisir un spawn, on va dire, plutôt habituel, que vous faites souvent. Donc, par exemple, moi, j'aime bien aller à Pleasant quand on spawn de ce côté, tu vois. Soit c'est Pleasant, soit c'est Tilted. Des fois, c'est Retail, mais là, c'est vraiment très loin de Retail. Du coup, je pense qu'on va aller là. Mais, pour pas prendre de fight et tout ça, pour pas faire de gros trucs, je pense qu'on va quand même aller à Retail. Comme ça, on pourra faire ce que je veux, et dans le calme. Après, des fois, il y en a qui vont à Retail, même si elle est loin, quoi. Parce qu'il y a la nouvelle ville et bon, faut passer par Retail, donc il y en a qui le font. Donc on va tranquillement y aller, pas se poser. Donc je pense qu'on devrait sauter, ouais maintenant, hein. Maintenant. Donc ouais, je vous proposais des petites astuces, on verra ce que ça vaut, entre guillemets, hein, pour vous. Donc si vous les connaissez déjà, bah désolé, hein, mais bon, c'est plus une vidéo pour les novices. Petit truc tout con, hein, donc la plupart des gens le font, donc ça a rien de lâcher ton commentaire. Ouais, moi je le fais déjà, si tu le fais déjà c'est très bien, mais si tu le faisais pas, s'il y a une action ou deux que tu faisais pas, bah ça me fera toujours plaisir de te l'apprendre. Et si vous connaissez tout ce que j'ai dit, bah ça veut dire que vous êtes un pro, tout simplement, vous êtes un pro. Vous êtes un bon joueur quoi, vous savez jouer, vous connaissez les bases, donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui c'est les bases. Déjà, essayez de tomber sur un toit avec une arme. Premièrement, ce serait déjà cool. Donc, le pompe, tu regardes, je suis solo. Enfin, j'ai l'air d'être solo. Donc déjà, on ouvre le coffre. Hop. Alors, première chose très importante, placer son stuff. Déjà. Deuxième chose très importante, casser tous les petits matériaux que vous trouverez dans vos maisons. Tout simplement. Par exemple, ça, vous cassez. Parce que... Ça se casse en quoi? 1, 2 coups de pioche grand max et ça vous rapporte quand même des matériaux. Vous voyez, je suis déjà à 40 de métal. Donc, tous les petits trucs que vous voyez, vous cassez. C'est facile. En début de game, c'est surtout ce qu'il faut faire. Donc, après, moi je fais un spawn qui est d'être dans les magasins. Donc, on regarde toujours la map. Un spawn qui est dans les magasins, mais il y a des spawns, on va dire, un peu plus. Enfin, être dans la maison, des fois c'est mieux parce qu'il y a plus de petits objets comme ça à casser. Voilà, faut casser les petits objets qu'il y a dans les maisons. Ça vous rapporte beaucoup de bois, tout simplement, de matériaux qui vous servent dans les fights. Et surtout au début, c'est souvent celui qui a le plus de matériaux qui gagne, tout simplement. Donc la nouvelle méta, c'est ça, à peu près, je pense. Donc on se met bien déjà, hein. Donc on loot. Toujours casser les petits trucs, hein. C'est vraiment très important. Vous arrivez, vous tapez là. Les trucs qui se détruisent en un coup, donc imaginez toute cette colonne là. Ça fait 5 à peu près tout le temps. Minimum c'est 4. Donc c'est plutôt cool. Donc ça tire dans la ville. Mais bon, on ira voir ça plus tard. Aussi, tapez toujours dans les petits ronds. Tapez dans les ronds. Quand vous tapez, quand vous avez un objet qui se casse pas en une fois, tapez dans le rond. Juste après. C'est ça, en gros, quand vous tapez un coup de pioche normal, ça fait 50 de dégâts. Quand vous tapez dans le rond, donc comme je vais vous montrer, ouais, 50. 100, 100, 100, et 50 et 100. Ça détruit plus vite, du coup c'est plus rapide. Donc la rapidité dans un fight c'est très important. Par exemple, vous voulez détruire un mur ennemi, des fois vous tirez avec la petite mitraillette. Surtout maintenant, cette mitraillette tire méga vite, donc les murs tombent assez vite quoi. Voilà, après j'ai pas trop de shield, ça c'est dommage. Vous voyez, je suis déjà à quand même presque 400 de bois juste en cassant ce que j'ai visité quoi. Aussi, quand vous voulez pas vous faire opérer, vous mettez one shot les trucs. Donc par exemple, là je sais qu'il y a un ennemi dans la ville, mais lui me voit peut-être.
il me voit peut-être pas, et si je casse un truc, peut-être qu'il me verra. Donc, je one shot juste. Après, quand vous savez que vous êtes tout seul, cassez tout. Les planches en bois rapportent beaucoup, mais bon, quand vous avez 400, vous n'êtes pas obligé de farm tout de suite. Vaut mieux aller dans les maisons, fouiller. Voilà, donc on a un gros shield. Plutôt cool. Okay. Si vous avez un piège, hein, mettez-le à chaque fois dans les maisons, à l'entrée. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut toujours y aller. Donc la plupart du temps, ça marche pas tout le temps. Mais il y a toujours des gens qui peuvent y aller. Et ça va vous aider déjà à faire un kill. Et quand vous êtes en squad, ça peut débloquer une situation. Un mec qui se tue au piège, toujours cool. Donc on va essayer de pas prendre de balles en fait. Sur tout ça le truc. Pour moi, son gros shield. Parce que même, imaginons que là j'ai des mini potions après, c'est pas grave. Ça fait chier, mais au moins mon fight, je l'aurai avec du shield, tout simplement. Donc la technique, on laisse one shot. Donc c'est la technique la plus courante, on va dire, de faire ça. Là, c'est vraiment les bases que je vous apprends. Donc je sais pas où est l'ennemi par contre. Du coup, là on peut se permettre de casser au pire quand on a du shield, donc il peut nous mettre quelques balles avant qu'on tombe. Mais faudrait le voir avant qu'il nous voit. Toujours avoir son. En gros, toujours avoir le visu sur l'ennemi avant que lui ait le visu sur toi. Donc c'est le meilleur des conseils possibles. Toujours garder la hauteur, mais ça on le verra plus tard quand j'aurai des duels. Essayer de garder la hauteur, même si des fois c'est compliqué parce qu'il y en a qui construisent vraiment bien. Donc on va le prendre directement, ça je lui fais un kit, n'a pas besoin. Donc un coffre en haut. Et après on va aller vers la zone, parce qu'il faut toujours regarder la zone. Vous voyez là, elle est plutôt loin, il y a un mec qui a une voiture. On l'entend avec sa voiture. Si possible, parce que là j'ai une bougie, mais avant d'avoir la bougie, enfin, faudrait avoir soit un sniper, ou un lance-greux. Donc là j'ai plus le temps de fouiller, on va dire, Retail, parce que c'est vraiment loin. Vraiment loin la zone, donc si je commence à fouiller, je vais me taper la zone après. Il est vers ma gauche à peu près. Le gars en voiture. Toujours bien évidemment, hein, si possible, jouer avec un casque, au moins des écouteurs pour avoir le son du jeu, parce que jouer sans son du jeu, c'est vraiment très compliqué. Ça tire. Quand vous voyez des fights genre comme ça là, en bord de zone, essayez de pas trop les prendre quand vous voyez qu'il reste pas trop de temps. Voilà, donc lui on va le laisser partir. On va pas lui tirer dessus parce que tout simplement là, il pourrait se retourner et il pourrait me bloquer, on va dire, et il profiterait que la zone soit derrière moi pour pouvoir avoir de l'avantage. Donc, ou alors être sûr de tuer l'ennemi, quoi. Moi personnellement, je sais pas ce qu'il vaut, j'ai entendu tirer, je sais pas s'il a touché, je sais pas si ça. Donc on arrive, on avance. Ah, c'est posé. Ça construit. Ouais. Je sais pas si. Ouais, non, c'est pas pour moi. Ok. Toujours avoir une cadence de tir. Je sais pas comment dire. Il y a une cadence nécessaire en gros. Aussi, toujours looter avec votre pioche. Comme ça, vous récupérez tout sans problème. Bon, là, il y a 3 kits. Donc, je vais prendre les kits à la place de ça. Hop, on se barre. Je sais pas s'il a tué l'autre, j'ai pas fait attention. Normalement, oui, parce qu'il y avait 2 stuff. Donc, on va rentrer dans la zone. Et là, tout simplement, on va attendre de voir où elle est, la prochaine. Essayez de regarder en bas, dans la zone. Toujours regarder les bords de zone. Très important, ça. Les bords de zone, c'est... Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui font pas attention à la zone. Ouah, niquer la caisse. Il y en a beaucoup qui font pas attention à la zone. Donc là, on regarde. Voilà, elle est vers là-bas. Elle est pas très loin. Ok. Bon là il a 8 mini shields, moi je préconise d'avoir des mini shields. Après il y a la carabine ou le sniper, moi je préfère le sniper même si on peut pas faire le lever baissé, enfin le fameux lever baissé.
c'est pas le sniper pour moi, mais peut-être plus de dégâts. Mais cette vidéo, vous savez quoi, on va jouer carabine. On va essayer de mettre, on va essayer de voir si ah bah y a un gars devant, un autre gars là-bas. Ok. Donc toujours faire au moins une T3. T3 est égal tour à 3 étages, même si la plupart d'entre vous font ça maintenant. Donc il y a un gars là-bas, un gars ici. La zone est plutôt loin, mais normalement j'ai la voiture qui est vers là-bas, qui est vers ici. Donc voilà, ça c'est le lever couché, voilà, c'est ça. Faire attention quand même derrière soi, mais bon. Et lui là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Donc il y a lui. Ça c'est dangereux. Par exemple, si un mec a un lance-gros, il peut vous mettre une cobie. Donc une cobie, vous savez ce que c'est. Un panier quoi en gros. Voilà, il va se faire rush gentiment. Moi je vais profiter qu'il rush. On a eu chaud. Ah là on a vraiment eu chaud. Après je vous ai dit, hein, y a pas un top 1 assuré. Hop. On se pose là. Toujours se soigner en mettant au moins des barricades. Bon, j'ai un feu de camp, c'est le seul soin que j'ai, du coup je vais me le caler, parce que sinon si je prends des duels avec ça, on n'a pas fini. Oh. Il m'a mis une sale balle, ça arrive hein, bien évidemment. Donc ça maintenant on peut plus voir à travers. Toujours, comme je vous ai dit, dans des modifications, vous faites ça, vous voulez la refermer. Par exemple, un pote est ici en train de vouloir se faire réanimer. Vous voulez qu'il se fasse réa, mais vous voulez fermer vite. Au lieu de refaire les structures, vous allez faire... Attends, hop, faites ça. Comment on fait ça? Il y a marqué, comme vous voyez, appuyez là où je suis devant moi, appuyez sur R3 pour réinitialiser. Vous faites réinitialiser et c'est bon. Donc là, voilà, le fait qu'on m'a pas mal servi. Ok, ça c'est ce genre de truc. Donc là vous voyez j'ai pas mal de matériaux mais c'est pas beaucoup pour une fin de game. Hop. Ça tire vers là-bas. Je pourrais utiliser mon tremplin mais le tremplin est très utile en vrai, ça peut débloquer des situations. Même si à partir de là pour le moment vous en battez les couilles de la zone. Vous arrivez hein, gentiment. Voilà. Voilà. Okay, ça c'est nice. Toujours se soigner en barricadant. Donc là, une popo du brave, là vous vous dites ouais, il y a une popo du brave pour ça. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'une popo du brave ça met combien de temps à se mettre? Ça met 15 secondes et 15 secondes on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Donc la nouvelle méta c'est
pour moi c'est ça. Le meilleur stuff à avoir, donc tu mets ce que tu veux à la place de la carabine, mais pour moi c'est ça. Ok, ouais. Niveau matériaux, on s'est remis bien. C'est une bonne chose. Hop. Donc toujours essayez de pas construire trop. À part quand vous avez un jump et que vous voulez vous barrer vraiment loin, quand vous, par exemple moi tout à l'heure, c'est vraiment risqué hein, parce que là il y a un mec qui me voit faire, il tire, c'est mort. Ah, y a un gars devant moi. Et ouais, non, il y a un gars qui me voit, bah c'est claqué. Et il y a un gars tout en haut de la tour aussi. Comme vous voyez, il y a lui. Si vous voyez que l'ennemi saute à chaque fois, ça veut dire qu'il est pas si mauvais que ça. Parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, faut sauter. Parce que comme ça, l'ennemi peut pas vous mettre trop de balles. Enfin, il aura plus de mal en tout cas. Ça veut pas dire qu'il vous la mettra pas, ça veut dire qu'il a plus de mal à vous la mettre. Là, par exemple, il m'a vu. Autre petite technique, si vous avez ça. Ah merde, bâtard. On va pas la prendre. Simplement parce que ça met trop de temps. Bon, il y a forcément un gars tout là-haut. Ah, il y a un gars qui est en tremplin là. Je l'ai vu. Je sais pas si c'est un mec qui était tout là-haut. Il aurait pu rester en haut, peut-être parce que la zone. Ça veut pas dire que la zone va toujours au centre. Et toujours avoir la zone, si possible. Toujours être le premier à être dans la zone. Donc là, par exemple, je suis pas le premier. Mais parce que j'ai eu des duels avant, donc bon. Donc voilà, voilà pourquoi il aurait dû. Je sais pas si c'est lui qui a sauté, mais si c'est lui qui a sauté, il a fait une connerie parce qu'il aurait pu rester dans la zone. Et du coup, il aurait gardé une hauteur de fou. Mais s'il faut, c'est pas lui. Donc on va essayer de monter, mais pas par son escalier. Parce que son escalier, bah, il doit sûrement un peu le regarder de temps en temps. Donc là, il a pas de visu sur nous presque. Mais il y a d'autres ennemis. Donc faire attention à ça. On va essayer de monter, tout simplement par un côté. Le côté qu'on veut, mais toujours rester collé à la montagne. Pourquoi? Déjà pour que l'ennemi vous voit pas, et que pour l'autre, que les autres ennemis, bah, galèrent à tirer dessus pour vous péter vos construits, quoi. Parce que s'ils tirent dessus, là que je tombe, c'est compliqué, quoi. Donc faut monter tout en haut. Y'a un gars, je l'ai vu. Ah non, ah la bâtarde. Là, il y a moyen de se la mettre. C'est ouf comment tout le monde a des popos du roi en ce moment, pile. Ah, il y en a là-bas, vous l'avez vu. Là. On peut tenter, écoute. Et donc vous avez vu comment j'ai pris la hauteur. Ah merde. Attends. Hop. Du coup, là, privilégie le sniper parce qu'on est un peu plus haut. Y a un gars là, un gars là-bas. Donc ça fait qu'on est trois. Donc il y en a manqué un quelque part. Toujours recharger ses armes, bien évidemment. Faites un petit tour de vos inventaires et vous regardez. Donc s'il faut, il y a un gars là-dedans. Il est peut-être dans la zone encore. Ah bah il y a un gars en voiture. Donc là, c'est vraiment...
Et la zone est vers moi. Allez, j'ai pas le shoot de fou au sniper en ce moment. Touché. Voilà, bon, j'ai touché au sniper, du coup là je me suis one shot. Et voilà comment on fait un top 1 à peu près hein. Bien évidemment j'ai des fois j'ai pas trop expliqué non plus, mais c'est comme ça qu'on fait un top 1 à peu près. Voilà, tuto faire un top 1, les bases. Voilà, t'as encore une popo du brave. Ouah, mais gros, il y en avait combien? C'est ouf les popos du brave qu'on trouve en ce moment. Donc voilà, c'est une petite vidéo tout simplement, donc pour vous montrer comment on fait un petit top 1. J'espère qu'il vous sera utile et que ça vous a plu. Simplement un petit top 1 à 7 kills si je crois, ouais. Je crois bien, c'est 7 kills, ouais, 7 kills. C'était Hyperanix. Ciao tout le monde.